Elle est hyper fluide. Tu vois, genre, pour toi, le golf, c'est super facile. Tu nous montres un truc comme ça. Là, ça veut pas dire ça. Oui. Tu vois qu'il est bien dans cette arme, tu vois. Oui. Allez, 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 allez. Oh. Je vais essayer ça. Ah, raté. Oh, il s'est accroché aux manches. Mais ouais, attends. C'est la classe, quand même, à un moment donné, il faut... Joy, elle croit que le golf, c'est que du drive, en fait. Hein? Elle est comme toi. C'est pour ça qu'elle est avec vous, en fait. Eh oui. Dès qu'on va taper elle des balles, que du drive. Elle veut taper des drives. Bienvenue à tous, tout le monde. On espère que vous allez... Tu sais que ça peut faire une grosse arme. Je suis désolé, mec. On se dit qu'on arrête, on commence, comme ça on est sérieux. Hein? Bienvenue à tous, tout le monde. On espère que vous êtes. Bonjour à une caméra, tu vois. Il est horrible. Moi je m'arrête quand même au bout de trois fois. Non, c'est quand même bizarre. Tu dis bonjour tout le monde, bah y'a personne. Et si, y'a plein de monde. Ouais. Bah oui. Bienvenue à tous. On espère que vous allez bien. Donc les deux là derrière rigolent parce que bah, là je fais l'intro. Pour ouais. La quatrième fois. Ouais, c'est ça. Mais ça fait bizarre. Il dit ouais, bien bonjour tout le monde. Et il regarde rien en fait. Bah si, vous, punaise. Bref, vous êtes. Enfin, ils sont censés commencer à comprendre que bah, on fait des vidéos sur YouTube et qu'on parle à des gens derrière la caméra. Oui, 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 c'est vrai. Mais. Bref, ça commence bien. On est au Kempferhof. Épisode numéro 2 avec Mademoiselle Joy qui est juste ici. Si vous n'avez pas encore vu le premier épisode, je vous le mets juste ici. Allez voir ça. Et là, c'est la deuxième fois qu'elle va s'entraîner avec Laurent, échauffement, avant de potentiellement aller sur le parcours. Ouais, parce qu'elle avait tapé beaucoup de drive, et du coup, elle pouvait plus trop aller sur le parcours. Parce que le truc, c'est quand tu tapes le drive, c'est quand même pas pareil que les fers, elle est sur le tee, il faut la taper plus. Mais c'est bien, c'est bien, elle veut toujours envoyer la balle plus loin, c'est cool. Ouais, tu vois. Mais ça c'est pas mal, on sait pourquoi, parce que bon, ceux qui tombent mieux au golf quand même. Donc voilà, donc là, on va se faire juste le swing de drive, le swing de fer, 2-3 chips, genre 20 minutes, on se prépare pour le parcours, et après parcours. Allez. Ça allez, ça te va? Bien, je suis content de l'intro, c'est merci. Bon. Là elle est bien. Ah bah c'est bien. Et du coup, bah, c'est une bourrine, elle est comme toi. Et là, on arrive et elle tape le drive. Voilà, non, je me moque de toi. On va commencer avec le pitch. On va commencer tranquillement avec le pitch. Et est-ce que tu vas lui refaire faire un peu ce qu'elle avait fait sur l'épisode 1 au début pour qu'elle se remette là-dedans? Tout okay. Petit peu, tu vois. Okay. Donc pitch, en fait la grosse différence avec le drive et le pitch, c'est que le drive, elle est sur le tee avec un grand manche, tu vois. Donc on a un swing plus plat. Et on essaye de la prendre en remontant comme ça à travers l'impact. Et avec les fers, club plus court, donc on est plus près de la balle. Et on a un swing beaucoup plus du haut vers le bas. Vraiment, d'aller du haut vers le bas comme ça. Et d'essayer de tenir le club ici à la fin avec la face un peu fermée. Et pourquoi on cherche à faire ça? Ça, c'est pour le balle terre. Ok. Tu vois, compression de balle et balle terre. Dès le début en fait, dès le début avoir ça. Dès le début, de bien sentir la différence entre le balle terre et avec les mains bien en avant, tu vois, avec les fers. Et avec les drives, on va aller vraiment dans l'autre sens. Okay. Sur le parcours, le problème, c'est que tu changes de coup tout le temps. Et donc, les débutants, ils sont perdus. C'est vrai qu'un débutant qui fait que du practice, il tape son fer set 40 fois. Voilà, et ça. En fait, il n'y a pas d'autre voilà. Coup derrière. Sauf quoi. Joy. Sauf son drive 40 fois et un coup de fer set. Voilà, donc ça, c'est un swing presque... trop large de drive, tu vois. Et donc là, avec les fers, on va être plus dans un truc, tu vois, okay. Tac, comme ça, là, un truc où on va vraiment... C'est limite, c'est vraiment un peu un coup de hache, on l'a vu dans le premier épisode, tu vois, je crois. Oui, oui, c'est ça. Dans la première émission. Bien, Laurent, back to 2 ans en arrière. Voilà, donc ça, c'est bien pour un drive, tu vois, c'est bien pris en l'air et tout. Du coup, ça, voilà, donc la montée, c'était pas mal. Hein. Mais toi, dans l'idée, tu viens vraiment en bas et tu te laisses en bas, comme ça. Déroule un peu le bas du corps, tu vois, parfait. Voilà, oh oui, mais magnifique, bouge pas. Voilà, moins derrière, ouais, parfait, remets-le là. Tu vois, tac, ok, très bien. Là, on en fait, allez, 5 comme ça. Donc, ouais, c'est 5 demi-coups de pitch. Ensuite, on va faire des 3 quarts de set. Regarde, elle a tellement l'habitude de mettre des drives que regarde, elle a la balle sur le tee. Elle a mis la balle sur le tee. C'est bien ça, Joy, bien. D'ailleurs, super installation, ça. Donc, l'échauffement. Ah, bah oui, ça t'aime bien. Ouais. T'as pas besoin de remettre le tee à chaque fois. C'était horrible au début. Donc, l'échauffement parcours de base, c'est ça. C'est 5 demi-coups, vraiment vers le bas, tu vois, comme ça. Pour les débutants? Ouais, ouais, pour honnêtement, un peu tout le monde. Ok. 5 demi-coups, on va vraiment vers le sol pour prendre l'habitude d'aller, tu vois, de finir en bas et tout, là, vas-y. Mm. Et c'est comme si tu voulais vraiment la couper. Tu vois, on veut pas la soulever comme ça. Toi, tu viens la couper dans ce sens-là, là, tu vois. Avec vraiment les mains comme ça, tu vois. Tu te mets bien comme ça pour la cogner comme ça. Allez, vas-y, là. Et... voilà, pas mal. Et tu déroules le bas du corps. Parfait. Voilà, très bien. Voilà, super. Tu finis bien en bas de... voilà, c'est ça. Un peu plus grand à la montée. Là, l'idée, c'est de vraiment se mettre en tête le petit coup pour que le club, il bouge bien dans ce sens-là. Pas trop large comme un coup de drive. C'est ça et ça.
tu vois. Pour comprendre que ça, tu peux faire de... Et ça, vraiment pour le balter, c'est plus facile d'arriver de là. Et avec le drive, on est plus sur le... Compris. Et bien le corps à la fin, là. Voilà, ouais, ça. Voilà, parfait. Et là, tu fais juste un demi-coup, tu penses pas technique, tu essaies juste de choper la balle. Voilà, super. En fait, l'idée, c'est ça, c'est qu'on fait, on fabrique la routine pour le petit club. Petit club, on sait qu'on est en demi, comme ça, tu vois. Demi, hop, on va aller non, plus vers le sol, pardon, tu vois, comme ça. Mais ça, c'est la routine, c'est-à-dire sur le parcours, tu vois, tu vas te dire, ok, un peu comme ça. Mm-hmm. Par contre, quand tu arrives à la balle, il faut que tu penses qu'au contact. Faut pas que tu penses à ça, puis ça, machin. Il faut que tu aies une pensée super simple, juste de toucher la balle, quoi. Il y a un trou qu'a fait Luc, là. Tu vois ? C'est vrai ? Ouais, là. Toi, tu vises vraiment tout le long, tu vois. Tu te mets comme ça, un carré, là, rectangle, ok. Mm-hmm. Et tu dois faire une ligne sur la balle. Un peu pourri le marqueur. Et là, tu essayes juste de mettre le trait dans le rectangle, comme quand tu étais petite. Voilà, ça c'est pas mal. Là, c'est pas vraiment, c'est pas une séance de practice, tu vois. Oui. C'est vraiment se dire, voilà, regarde, t'es parfaite, ça, là, tu l'as pas filmé. Non. Là, c'est essayer de la réchauffer un peu, voilà. Et retrouver les sensations, quoi. Ok, une fois que t'as tapé tes 5-10 balles comme ça, on passe au 7. Donc là, tu passes 7 ou 8, tu vois, faire. Il faut vraiment essayer d'avoir une intention par club, pas plus. Tu fais un swing d'essai. Je fais toujours la même chose, tape. Ouais, toujours vers le sol, un peu plus grand le swing, donc c'est un 3 quarts. Voilà, parfait. Et là, tu mets le trait dans le carré, même s'il n'y est pas. Voilà, très bien ça. Débutant, 3 clubs, ça suffit. Ouais. Ouais. Non, quoi, 4, driver, faire 7. Putter, ouais, toujours. Et putter, oui, ça va. Éloigne-toi un peu. Ouais, il faut dans l'idée, il faut qu'elle puisse avancer sur le parcours. Mais alors pourquoi ? Et quand t'es sur le. Oui, mais quand t'es super loin sur le fairway, pourquoi pas bois 7 un... ou après, bois... ouais, on va faire l'hybride là. Ok. Hybride ou bois 7. J'ai fait le carré trop au milieu. Ok, et là, dès que ça recommence, ça, tout de suite, tu te dis, allez, va. Tu vois, va dans le sol. Dans le sol. Voilà. Tu vas tout de suite. Ça va décoller. Des coups de merde, il faut pas se dire les bras, les machins, les trucs. Allez, je reviens dans le sol. Ouais, c'est exactement ça que j'avais oublié. Voilà. Le bout du grip, tu le mets contre le mur. Et ça, tu te mets un peu comme ça, tu vois. Le bout du grip, tu essaies d'aller presque contre le mur. Et là, tu t'en vas, là, et... BAM ! Tu vois ? Ok. Attention, plaque. Voilà, parfait, ça. Mmh. Juste dans l'intention. Là, dans l'idée, c'est surtout ça, c'est pour t'aider à rentrer dans le sol. Voilà, tu vois, ça marche. Pour rentrer. Vas-y. Voilà, parfait. Et là, en fait, même si c'est moyen et tout, c'est pas grave, tu montes dans les clubs. Ok. Faut pas vouloir, parce qu'en fait, elle a pas encore la vitesse. Au début, quand t'es débutant, t'as peur de mettre la vitesse, peur machin, tout ça. Et vu qu'on va arriver, de toute façon, on va taper les drives. Là, la vitesse, ça va la choper. Et après, on verra sur le parcours, on va s'organiser. Quoi. Là, pareil, tu la tapes au milieu, c'est tout. Et okay. T'y vas. Voilà, incroyable ça. Tu vois, ça pour le parcours, ça suffit. Ouais, exact. Et donc, même si dans les sacs, là, il y a plein de clubs, ouais, je sais pas si j'ai déjà tapé avec un 6. Non, ouais, c'est un hybride ça. Bonjour, Jean Gonzette. Bonjour, monsieur Jean Gonzette. Salut les abonnés. Salut les abonnés. Salut la commu. Salut la communauté. Salut tout le monde, c'est Jean. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Laurent. Allez. Voilà, donc même si c'est pas super, pareil, tu passes à autre chose. Moi, je suis pas super super bon pour le chiffre d'affaires practice. Ah, et du coup ? Bah, en fait, je fais taper 25 balles, tu vois, et feu. Ah oui, ok. Quand tu commences, là, t'as envie d'aller sur le parcours, quand même. Ok, ok. Normalement. Bon, là, je sais pas si t'as envie de grand-chose aujourd'hui. Tu l'as énervé aujourd'hui ? Non, ça va mieux, là. Ah, ça va mieux, ouais, là. Ça va mieux. T'es lui qui t'a énervé, hein ? Non, non. Il a trop mangé à midi. Il a pas bien mangé parce que c'est lui qui est cuisine. Il est nul en cuisine, non ? Il est très nul. C'est vrai ? Évidemment que je suis. C'est vrai, même des pâtes, il sait pas les faire, non ? Ah, mais c'est ce qu'il a fait à midi, on se sent mal tous les deux. Mais arrête, c'était très bon ! Oui, mais on se sent quand même mal. Bon, mais oui, c'était bon ! Voilà, bim ! Et là, tu vois la vitesse, elle arrive. Ouais, ouais, ouais. Vu que c'est automatiquement, un... ouais. Vu que c'est un peu une bourrine en plus. Enfin. Oui, bah, je sens que t'es pas dans la douceur, tu vois. Tourne un peu la main gauche. Donc là, je sens qu'elle va un peu à droite. Du coup, je tourne un peu la main gauche vers là. Voilà. Ouais, ça me paraît tellement... Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est coup, pas mal. Un truc bizarre, des coups, je fais quoi ? Ouais, non, je l'ai dans la poche. Vas-y. Mets la balle un peu pied gauche. Voilà, parfait. Juste, tu mets de la vitesse, tu chopes la balle. Voilà, parfait. C'est parfait pour la vitesse. La grosse différence que je disais tout à l'heure, c'est que là, le shaft, il est long et tout. Tu vois, c'est presque un swing de baseball. Donc, tu peux faire des swings d'essai au-dessus, tu vois, pour te dire, ok, un truc comme ça, là, plat, tu vois. Là. Et tu fais du vent, mais à hauteur de... Comme tu l'as chopé baseball, t'as déjà vu la télé ? Un peu, ouais. Voilà, comme ça, là. Vas-y, fais du vent. Chou ! Voilà, parfait. Encore. Mais plus de vent, là. Mais du vent ! Vas-y, refais encore. Attends, bouge pas. Non, elle me coupe la tête, là. Tu vois, comme ça, là. Là, et chat ! Oh ! C'est tout prêt. Vas-y, parfait, avec la balle, maintenant. Voilà, tu vois ? Là, t'auras plus peur de taper dans le sol.
Voilà, tu vois. Maintenant, j'arrive plus à la toucher. Vas-y, penche-toi un peu en avant. Voilà, parfait. Allez, là, et bam. Voilà. Là, ça peut bien partir. Hein. Parfait. Donc, en fait, surtout au départ, c'est ça. C'est le côté demi-coup, trois quarts plein. Et ensuite, petit club vertical comme ça, grand club, style bad ball. Ok. Voilà, ça, c'est pour les débutants. Enfin, les débutants. Ouais. Oui. C'est valable pour tout le monde, hein, mais... Et là, toujours pareil, donc là, on a fait un peu technique. Toujours au dernier moment, toi, ce que tu veux, c'est vraiment, tu vois, les trois traits, là. Oui. Les prendre un peu en haut dans la pointe. Parce que tous les amateurs ont tendance à faire des talons, tu vois. Donc toi, tu les prends ici. Ok. Voilà. Oui. Voilà, et là, on se barre sur le parcours. Alors qu'elle n'en a pas vraiment touché. Tu as touché une bien et tout, mais on s'en fout parce que de toute façon, avec les repères qui changent et tout, là on est sur le tapis, ça va pas être pareil sur le parcours. Ok. Il faut pas faire une séance de practice de 1h15 avant de partir. Parce que sinon, elle va être dégoûtée. Là, ça suffit, on va. Ça te va ou tu veux encore taper? Non, let's go. T'as envie de parcours là? J'ai envie de parcours, c'est bon. Comment tu te sens d'aller sur le parcours, Joey? C'est assez important. Alors, les amis, on va sur le parcours? Allez, venez. Insupportable là, putain! Toi, tu joues des jaunes ou des blancs? Des blancs. Tu t'es pas échauffé toi? Bah non, rien. Ah bah on prend le drive de Joy peut-être. Tu la mets sur le fairway? Eh bah oui, c'est vrai. Bah sinon je compte sur Joy pour la mettre sur le fairway. Voilà, exactement. Bon, tu vas voir qu'on va prendre sa balle. Là c'est bon. Voilà, tous ceux qui disent que je roule sur le départ, je suis pas sur le départ. Bien hein. Du coup on part sur un petit scramble avec Joy. Ouais, c'est ça, parfait, scramble. Pour donner envie, montrer qu'elle peut prendre des balles alors qu'on défaut tes balles. T'imagines qu'on va prendre tes balles ou pas? Ta balle va être meilleure que la sienne de temps en temps ou pas? Allez, une sur 10. Une sur 15. Une sur 15. Une sur 15. Moi je dis une sur 6. Oh, tout compris. Tout compris avec ouais. Le putting et tout. On va taper une trentaine de coups du coup. Ouais. Ouais, c'est ça, une trentaine de coups, vous allez faire deux trous comme ça. Non, je rigole. Très drôle. Très très drôle. Allez, c'est parti. Tu veux que je tienne, non? Bah non, vas-y. Tu veux que je tienne, non? Non, quand même pas. Alors Joy, il faut que tu prennes ton temps, Luc est très long en principe. Hein. J'ai capté sa petite continuité en ses fesses, là. Ah ouais. Il est comme ça. Ouais. Il se met comme ça, là, et après il fait... Exactement. Mais je fais pas ça, en plus. Mais tu fais exactement ça. Mais non, je mets mes hanches à droite. Oui, mais t'as un petit mouvement rapide qui fait que... Ouais, ouais, je fais ça, là. Ouais, il y a un côté... Après qu'on te mette une petite plume derrière. Et c'est mignon, hein, ce qu'il a, là. De quoi? Le petit truc à Mundi, là. Bah, c'est méga stylé, je l'avais reçu à Evian. Et ça, c'est pour combien? Ça, c'est pour... c'est un trou et demi. C'est un trou et demi, ça. Là, il y a à peu près un trou et demi. C'est un bel balle, hein. Elle est toute neuve. Ah ouais. Prête à aller dans l'eau, tu vois. Merci, TaylorMade. Donc, le drive sans échauffement. Là, tu cherchais quoi? Juste déjà un peu me libérer vite fait, ah là, oui, parce oui, que... c'est vrai, t'as pas fait un seul mouvement. J'ai pas fait un mouvement. Ok. Donc là, on va pas taper comme un bourrin. Comme ça, c'est bon, là. Ouais, ouais, là, c'est bon. Mais pas plus fort que ça. Ok. Et ensuite, on a quoi comme intention? Donc, le rythme et contact. Ok, parfait. Ah, là, vous l'avez vu? Là, ils l'ont vu. Ils l'ont vu. Mais oui, mais je le fais toujours. Je fais ça, là. Bon, parce qu'en fait, je mets mes hanches. Vas-y, on te laisse jouer. Bon, bref. C'est vrai qu'on est pas contre toi, mais... Je vais plus le faire maintenant. Il y a rien de pire que ça. Oh là 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 là, elle est salette. Oh, elle est incroyable. Ouais, grave. Fabuleux. J'ai jamais vu en mettre une comme ça ici. Hein. Oh mais voilà, mais toujours non, plus. Incroyable, justement, t'as progressé. Ah, cool, merci. Ouais, ouais, tu te rattrapes bien. Ouais. Allez, Joy. Donc là, t'as un tee assez haut. Oh, et tu l'as même placé la balle. Ça, oh. ça l'aime bien, tu vois. Tee assez haut. Ouais, ça, si vous le faites, tu vois, c'est plus assister vachement. Quelqu'un veut mettre sa copine au golf. Assister, mais pas trop de conseils, tu vois. Ok. Sinon, c'est hyper chiant. Et là, en fait, on va faire quand même assez tranquille. En plus, je suis salaud, je t'ai mis en face de l'eau quand même, tu vois. Non, mais là, premier t-shirt d'un parcours. Ouais, parce que si elle réussit, c'est agréable. Tu vois. Ah oui, j'avoue que ça, c'est incroyable. Oui. Et de là, on va faire vraiment, on va faire tranquille. Non, mais là, je la connais, elle va vous en mettre une énorme parce qu'elle veut passer l'eau, en fait. Non, c'est non, ça. Tranquille, tranquille. Et tu vas vraiment te focaliser sur le contact, genre tu vois, tu fais tranquille, là ici détendu, et d'essayer de vraiment venir, mais pile, tu vois. Et te dis pas que tu contrôles pas ça parce qu'on le contrôle quand même. Tu vois? Ouais, ouais, tranquille là. Pour la choper plein mes yeux. Là, ça c'était le shot, mais vraiment pour le plaisir, tu vois. Je le sentais bien ce petit drive. Ouais, je j'ai vu ça. Je te le fais. Que je dois faire okay. Une petite routine comme Luc? Ouais, exactement, avec le cul qui bouge. Voilà. Tranquille, il n'y a vraiment pas de technique, tu vois. Okay. On réfléchit pas, on veut faire passer un peu de vent. Voilà, ça c'est super. Gagne un peu vers la gauche plutôt. Voilà, encore tourne un peu. Fais balle un peu pied gauche. Et là maintenant, tu penses qu'à un truc, c'est ça, tu vois. Tac, 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 tac. Bam, plein milieu. Ok?
plastique là, j'ai vraiment l'impression que je vais l'envoyer. Ouais, c'est pas grave. Ah. Bah oui, c'est les balles de Luc. Ouais, c'est balles de Luc. Tu la prends au milieu. Ah, dommage. Ah, attends, juste. Non, mais là, t'étais en fait. Vraiment, honnêtement, t'étais vraiment bien. T'es juste passé à peine au-dessus, tu vois. Tranquille, et tu la chopes, tu chopes le ti, tu vois. Oh putain. Oh, les réflexes. Les beaux réflexes. Tape le ti. Mets là-bas le pied gauche, en face du bout du pied gauche. Encore, encore, encore. Voilà, parfait. Tape le ti. Tu vois, t'es toujours au-dessus. Ouais. Bouge pas. Là, tu tapes le ti. Oh. Ok. Regarde. Oh, j'ai jamais vu une balle partir là-bas. Bon, on va prendre celle de Luc. Est-ce que là, en tournoi, ça n'arrive jamais, hein, mais imagine en tournoi, t'as le droit de pas vouloir aller la chercher, ouais. La déclarer injouable. Voilà, c'est ça. Genre, tu sais que t'es horriblement placé et que tu peux pas revenir. Ouais, même si tu la trouves et que tu la déclares injouable. Tape, tape, tape. Putain, normalement. Si, tu déclares injouable et tu dis je reviens au coup d'avant. Donc elle tape 3 au départ. Ah, ok, ok. Au Kempf, c'est quand même. C'est moi ça, non? Non, ça, non c'est ça, c'est la tienne. Ouais. Elle est bleue. Ouais, c'est le petit ragondin. Trop chou. Je te vois driver. Et des bleus, oui, j'espère bien. C'est pas évident de commencer au 15. Mais si tu parles, tu commences. Là, si elle avait joué toute seule, tu l'as fait débarrer de. Des rouges ou même devant, du fer un peu. 150 mètres. Ouais, voilà, ouais. Ah là, 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 là. Jay, tu vas prendre la distance comme une vraie golfeuse. Non, pas besoin. Pas besoin? Ouais, elles s'en foutent la distance. Le moins de contraintes possible. Ok. Là, il y a 100 mètres à peu près. Merci. Top ça. Là, swing d'essai où tu vas bien frotter le sol. Oui. Voilà. Et du coup, alors question. Là, tu te mets avec la balle, tourne un peu vers la gauche. Non, dans l'autre sens. Encore, 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 encore. Parfait, frotte le sol, c'est tout. Voilà. Oups. Alors ça, ok, c'est à droite, ouais. Mais elle part. Tu ouais, vois, ouais, au moins elle est touchée, elle part, ouais. À toi, Luc. J'ai 105 mètres. Dans le rough, joue quoi? Joue un 48 pour faire 100 mètres. Ok, parfait. Et donc, quand il parle comme ça, on dirait qu'il a une stratégie. Oh, elle est magnifique. Il nous fait une démo. Non, c'est ça, t'y vais, hein. Bon, il est fort ton mec, hein. Hey. Hein, il est fort, hein. Belle balle, toi aussi, hein. Attends, je joue. Yes. Oh. C'est la première fois que je te rejoue. C'est vrai? C'est vrai? Ah, excellent. Ah, bah, comme ça. Bon, il est quand même bon, le bonhomme, hein. Il fait pas que. Il a pas que des bons conseils, ça joue solide quand même. Pas toujours, hein. Pas tous les jours. Mais c'est en scramble que tu joues solide. Ouais, ouais, c'est quand ça. Quand t'es décontracté et c'est ou pour contre, ça. Ou contre Luc. Ouais. Tu vois, du coup, en scramble, t'imagines si elle joue seule? Ah, bien sûr. C'est nul. Et l'avantage, c'est que tu peux jouer tout de suite, tu vois. Là, elle avance, tu vois. Alors, ouais. Elle est pas super fière d'elle, machin, mais à un moment donné, tu fais un bon coup, tu vois, et ça le fait. Et puis au moins, tu te promènes. Ouais, j'avoue. Là, le parcours, il est beau. Vas-y, fais un coup d'essai. Donc là, c'est mouvement de balancier. Là, tu vas jouer. Ah, c'est pas mal ça. Plus fluide. Il y a des pentes que tu vois pas au début. Là. Ouais. Et t'essayes de rester un peu court du drapeau. Tu joues ici en fait. Un tout petit peu plus à gauche, j'ai. Ouais, ça va là. Ouais. Voilà, ça c'est génial. Allez, 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 allez. Oh, c'est la première fois. Énorme hasard, c'est la première fois. Incroyable. C'est fluide, terminé. Voilà. C'est simple le golf, tu vois. On a tapé 3 mais coups. Mais tu vois, si tu me l'avais pas dit, 3 avec coups, une sur 3 déjà. Ta chaussure, genre, j'aurais pas du tout tapé là où il m'avait dit. Ouais, mais c'est normal ça au début. Oui, mais oui, bien sûr. Tu vois. Incroyable. Bien joué. Bah, tu vois, là, j'ai pas besoin de poter. Voilà. Déjà, sur 3 coups, on a pris une fois la tienne. Ah. Mais je pense que j'aimerais bien apprendre un peu tout ce qui est putting, petit jeu et tout. Hein. J'avais bien aimé. Parfait, ça avec on avait Léo. Fait une avec initiation Léo, avec. On fera une vidéo avec Léo. Ouais, on fera un truc petit jeu avec Léo et tout. Le prochain truc, c'est petit jeu avec Léo. Parce que du coup je joue contre vous, tu sais. Ah bah là on a fait birdie, tu vois. Ouais, vous avez fait birdie. On est one up, hein. Ouais, du coup je pense qu'on fera un troisième épisode et même plus si ça vous plaît. N'oubliez pas petit bouton bleu, petit bouton s'abonner, la cloche. Et donc ça sera avec Léo. Elle lui apprendra tout ce qui est, je pense, chipping, putting et tout ça. Là on est vraiment sur le parcours pour la. Troisième épisode chipping et puis au quatrième au pire putting, tu vois. Ouais, ouais. Même, merci. Moi je joue quand même. Là, je vais essayer cette hybride 6. Hybride 6 femme. Hybride 6 femme. Mais c'est bien, hein. Ah. Ah. Il y a un petit hors limite par là. Droite. Et ça vient pas du fait que ça soit un peu trop flex par exemple? Ah, c'est pas évident, tu vois. Parce que du coup, la phase de club, elle revient beaucoup plus tard. Regarde comment ça se tord. Wouah. T'as vu ou pas, Joey? Du coup, la face, elle peut arriver vachement ouverte et tout, d'où l'intérêt de faire un fitting au camphor off. 03-88. Wouah. Ça nous fait une démo, Luc.
Oh, énorme. Franchement, tu commences à te gaver, hein. Ouais. Oh, ça fait plaisir, ce mais petit. Mais vraiment, ouais. Parce que, genre, à chaque fois que je t'ai accompagné, à chaque fois, là, tu joues de mieux en mieux. Merci, ça fait plaisir, ça, tu ouais, vois. Bien. Tu offres un petit voyage. Ouais, il y a un truc, il y a une clé, là, tu vois, il y a quelque chose derrière. Ah, mais attends, mais ils savent pas. Là, ce que vous savez pas, c'est que dans quelques semaines ou la semaine prochaine, quelque chose comme ça, on part à l'île Maurice avec mademoiselle, là. Et du coup, bah, on va sûrement aller faire... Enfin, c'est sûr qu'on va faire du golf là-bas. On va peut-être essayer de faire un scramble sur 9 trous. Et l'autre partie, je ferai en stroke play tout seul, on verra. Mais ça peut être cool, tu vois. C'est un peu pour ça aussi que tu viens faire de l'entraînement ici. Bien sûr. Quand t'as l'île Maurice, tu vas jouer au golf. Tu vas pas à la plage, nager avec les poissons, non, tu vas jouer au golf. Elle est super contente d'aller jouer au golf, tu la vois. Hop, hybride. T'as le tee, tu crois? Tu mets quand même le tee assez haut, malgré tout. Ah ouais? Voilà, ouais, hybride, tee assez haut. Et là, toujours pareil, il faut que ce soit plus... ton mouvement, il faut que ce soit plus fluide. Au début, n'importe quel sport tu commences, on n'est pas fluide, tu vois. Donc, tu essaies de faire un mouvement fluide. Et une fois que tu te rapproches de la balle, tu fais fluide et contact. T'avais envie, là, hein? Non. Genre, tu veux dire je laisse aller? Fluide, c'est pas lent, c'est juste... Tu vois que ça fasse un seul mouvement, qu'il n'y ait pas des trucs où on a l'impression que tu... Voilà, ça. Tu vois, parfait. Ah, dommage. Plus je te la mets haute sur le tee, plus tu la prends haute. Ah ouais, ouais, ouais. Hein? Vas-y, retape dans une. Là, j'aurais dû dire taper le tee, au lieu de dire contact. On n'a pas de notion au début de contact, tu vois. Ouais, t'inquiète, et en gros, c'est... Tu m'as pas écouté. t'inquiète, je t'ai pas écouté, MD. Non, mais ouais, c'est en mode taper le tee, ça, elle sait, ouais. Donc tu es fluide et vraiment, tu tapes le tee. Ouais, ouais. Ça, c'est bien. C'est ça. Ouais. Oui. Oh, le draw qui revient. Énorme. Magnifique. Enfin, presque. Ah mais alors, non. Oui, mais avec ça, tu es obligé d'être content. Bon, t'es bien, c'est qu'elle soit sur le Elle est débile, ta copine. Non mais c'est très bien ça. Je veux faire mieux que toi. Ah oui, d'accord. T'as dû avoir une bonne sensation, non, quand ouais, même. Ouais, ça va, c'est agréable, ouais. Bon, ben j'ai perdu le deuxième trou. Aïe. Bien ça, Joy. T'es plus proche que lui, je pense. Ouais, ouais. C'est juste là, lui, non? Ouais, mais regarde, ah. Elle est là. Voilà. Donc limite, regarde. On va prendre la tienne. T'es moins bien? Non, mais parce que dispersion, t'es plus proche que lui. Ouais, t'es plus proche du drapeau. Si tu fais des pas, t'es plus proche que moi. Et lui, il a 10 mètres. Donc quelque part, c'est une petite victoire quand même, tu vois. Mm. Allez, putter, on prend la sienne quand même, parce que là, c'est mort. Oui, essayer quand même, juste pour nous. Ouais, tu peux essayer. Vas-y, on va essayer. Ouais. Et là, c'est un peu comme au putter. C'est un mouvement de balancier, tu vois. Oui. Ok. Sauf que tu fais un mouvement de balancier, mais en descendant. Ok. Tu vois, pour toujours pareil, pour prendre le sol. Serre-le un peu plus fort, le club. Voilà, parfait. Moins long encore. Voilà, parfait. Et après, on le fait maintenant comme ça. Penche. Ouais, un peu dans ce sens-là, tu vois. Genre voilà, parfait. Ouais, c'est ça. Voilà, très bien. Et là, maintenant, tu viens à la balle. Voilà, parfait. Voilà, bien ça. T'es sur le green. Très bien. Et elle est partie là-bas parce que j'ai tapé trop. T'as tapé dans le talon. Ah, non, okay. Dans le talon. Tu vois, le pitch, c'est ce que je t'avais expliqué la dernière fois. C'est ta balle qui a fait ça. Ouais, en gros, la balle, quand elle arrive fort dessus, elle fait ça, tu vois. Et après, t'as des relèves pitch. Sur les côtés. Et tu viens là et tu. Faut qu'il n'y ait plus rien. Quoi, après, c'est plus... En fait, quand tu débutes, il faut, moi je pense maintenant, avant je faisais plus de technique, mais au final c'est plus la fluidité dans tous les mouvements, que ce soit bien fluide. Même si c'est pas très, très bien techniquement, tu vois. Voilà, ça c'est pas mal. Ouais, peut-être un tout petit peu moins fort. Ouais, non, vas-y, laisse faire parce qu'on sait pas trop comment elle va réagir. Ok, ok, ok. Ça s'appelle un conseil de merde. Je suis bien là? Ouais. Ouais, très bien. Voilà. Trop donc fort. Tu vois, tu peux te dire c'est dommage, t'avais raison, mais il vaut mieux qu'elle le voit en fait. Ok, là refais le putt d'ici. Voilà, oh, super. Donc elle, on sent que ça va être plus un mouvement court, tu vois, et comme ça. Ok. Voilà, Luc. Ouais, bien. Très très bien. Allez. Ça, le part. Ça fait tout up hein, par rapport à Laurent. Bien ça. Parce qu'au départ, en fait, t'as pas trop envie, tu vois. Et là, finalement, ça commence à être pas mal. Limite, elle kiffe un peu. Mais si tu regardes bien en scramble, bah, elle avait pas fait, elle a mis un putt. Ouais. Elle avait fait des coups de merde, tu vois. Ouais. Et là, elle est contente. Ouais, ouais, ouais. Tu vois? Ouais, c'est que le scramble te donne l'impression d'avancer, de trucs, et c'est cool pour tout le monde, quoi. Et il suffit de faire un bon coup pour trop faire la journée, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça qu'il faut arriver à se dire, ouais, non, c'est bon, vas-y, on avance, machin. Et là, honnêtement, il y a pire, tu vois. Promène, l'endroit, il est pas mal. Waouh, comme elle est parfaite. Il a tapé 5 coups sur 5, mais parfait. Sans deck. Ouais, je suis content, là. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Oh, ça va, c'est de mieux en mieux quand même. Ou alors c'est... Voilà, c'est un énorme bof, il a quelqu'un à impressionner, c'est tout. C'est clair. Ouais. Ou alors, faut peut-être que tu le cadailles, Joy. Change de job. Allez, c'est bon, vas-y là. C'est bon. Par contre, sérieusement, si tu la tapes bien, tu peux faire un meilleur drive que moi là. Hein.
Mais pas du tout. Mais bien sûr que si. Elle est hyper fluide. Tu vois, genre, pour toi, le golf, c'est super facile. Tu nous montres un truc comme ça. Là, ça veut pas dire ça. Et là, t'oublies pas, surtout, c'est viser le tee. Oui. Allez, c'est parti. Je tape le tee. Ah, mais dommage. C'est juste ça. Partout avant. Vas-y, dégomme-le le tee. Non, c'est parce qu'elle est prise en bas à droite, dans la phase de club. Eh oui, c'est juste ça. Tape dans le tee, là. Ton swing, il est parfait. Le tee, bam. Allez, tape le sol. Ouais. Et bah, tu sais quoi? Elle est mieux que la tienne. Je pense qu'elle est mieux que la mienne. C'est sûr, même. Ouais. Elle est plus longue, elle est sur le fairway. T'es vraiment plus loin. Non, non, mais de là-bas, t'as l'impression, mais. Ouais, non, mais on croit qu'il tape fort parce qu'il est costaud. Parce qu'elle était ultra. Mais c'est comme les voitures qui font beaucoup de bruit, tu sais, on croit qu'ils vont vite. Olé. J'ai jamais fait ça de ma vie, le double coup de pied aérien. Bon, je suis quand même content, elle était fairway. Ouais, en fait, ta copine t'a mis 10 mètres quoi. Oui, 15 mètres. D'accord. Hein. Et elle était pas loin d'être sur le fairway en plus. Ouais, mais c'est pas mal quand tu débutes de jouer du rough. Pas loin, Ouais, parce que j'ai remarqué ça. Ouais. Parce qu'en fait, t'as un peu la place. Et en plus, les fairways sont vraiment rares, c'est chaud. Là, tu prends faire 8. Souvent, tu les mettais à gauche en pratique. Donc, on va faire comme au petit jeu là-bas. Lâche un peu. Hop, on met la face un peu ouverte comme ça. Voilà, c'est tout. Et là, on est sur le mur. Merde. Ah, juste au-dessus. Dommage, hein. Juste au-dessus, ouais. Dommage. Ça, il faut pas hésiter à en faire retaper comme ça. Ouais, ouais, parce qu'elle était pas loin. Juste au-dessus, elle était bien, mets-toi un peu plus loin de la balle, parfait. Juste au-dessus, ça veut dire que tu dois vraiment penser à taper le sol. Hein. Le sol. Oui. Voilà, regarde ça. Voilà tout l'intérêt de... Putain, ça c'est énorme, regarde. Et elle va être bien, hein. Elle est restée bloquée à droite. Super. Bien joué. Qu'est-ce que ça fait? Je sais pas. On dit que t'as mis un plein drive. C'est pas mal. Regarde, la broche roulée, c'est énorme. Elle est à 2 mètres. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Ouais, c'est-à-dire tu fais une merde énorme à 2 mètres. Et que c'est assez incroyable. Ouais, super. Ouais, super. Énorme. Allez. Oh, oui. Incroyable. Ça c'est donné. Sans le drapeau errant, ça. Ouais, je pense. Ouais. Mec, il réussit tout, quoi. Non, mais tu sais quoi, hier c'était pareil, hein, quand on est allé sur le parcours avec les autres. Non, mais mieux. C'est dommage qu'il n'ait pas assez de temps en fait. Mais là, peut-être que tu vois, ça lui a fait du bien. Là, la pause qu'il a fait à un moment, tu jouais plus trop parce que depuis, t'es bien reparti. Hein. Dernier trou, Joey. En fait, tu vois le scramble, c'est cool. Ouais, c'est pas mal. Et ça, on peut faire ça sur quelques trous, 9 trous. Là, j'essaie de vendre le golf à ma copine. Ouais. Elle est où, j'ai pas regardé. À droite. Elle est bord de rough là-bas. Elle est sortie un peu à droite, mais ça me va. Et c'est ça qui change tout. C'est que je les prends un peu plus au milieu là en ce moment. Ça normalement, ouais, moi, pas du tout. Hein, le rythme est meilleur. Oui, oui, ok. Fait, c'est quoi, tu mets la... C'est con, mais c'est de mettre l'écriture en fait. L'écriture en bas pour vouloir la taper. Ça met parce que ça te donne. C'est comme quand Laurent avant il m'a montré le petit carré. Ouais. Bah c'est là que j'ai bien tapé. Et toi tu vas même le regarder, tu vois, comme ça. Tu vois, pour essayer de regarder sous le... Tu vois ici là. Tu vois, c'est ça que tu fasses partir. Tu vois la terre là. Ouais. Voilà. Vas-y, viens avec la balle. Merde. Je vais le taper, Sty. Oui. Elle a pas tapé le tee. Ah. Attends, reste. Faut qu'elle touche le tee. Eh oui. Ah, j'ai toujours pas touché. Bah non. Il est si le tee, il est là. Regarde. Oui. Magnifique. Et encore là. Incroyable. Donc là, on prend ta balle. Tu m'as mis 60 mètres quoi. Non, mais là, elle a fait un drive à 180. Tu penses? Ah oui. Ah ouais. Pam. Dernier coup. Après, on rentre. Et là, il faut savoir que Joey ne voulait pas trop au départ. Et c'est elle qui nous fait un trou de plus quand même. C'est vrai. Aligne-toi vers le bunker de gauche là-bas. Tu vois le bunker? Ouais. Voilà, parfait. Je te demande pas pourquoi. Va vers là-bas. En fait, c'est en gros, elle a l'habitude de saigner à droite. Donc je lui dis, aligne-toi vers le bunker de gauche. Du coup, elle est parfaite. Ouais, ça, exactement. Un peu mûr. Oh, oh, magnifique. Merde. Ouais, attends, mais t'es folle. C'est hyper bien. Elle est dans le... Ouais, mais bon, c'est un super coup, tu vois. C'est un super coup quand même. Là, elle peut presque m'en vouloir parce que j'ai fait aligner dans le bunker de gauche. Allez, contact. 9h, contact. Ah, du tout petit peu talonné. Ouais, un peu talonné. Mais, ouais, mais ça reste du bon raté. Hein. Ouais. T'es bord de green, hein. T'enflamme pas, hein. Faut essayer une justice. Ouais. Voilà. Ça, c'était magnifique. Un peu boité. Oh putain! Oh. Prends le putter de Luc. Ouais, c'est pas mal. Allez! Oui! Oh putain! Dommage. Elle y était là. Elle y était. Normalement, t'enlèves le drapeau. Elle y serait. Eh ben non, je peux pas réfléchir comme ça. Elle y est. Enfin, à quoi ça déjà? Ça.
Et ben en fait, quand tu mets ta balle sur un green, tu poses ça à la place de ta balle pour la nettoyer. Et surtout aussi pour que si jamais il y a quelqu'un qui est dans ta ligne, en fait, tu poses ça devant à la place de ta balle. Comme ça, lui, il peut jouer. Et après, tu remets ta balle à l'endroit, tu vois. Tu t'en sers vraiment ? Tu marques. Oui, tout le monde s'en sert. Bon, mademoiselle, c'était comment le parcours ? Très chouette. Ouais. Bien. Difficile à débuter, mais c'était bien une fois qu'il y en avait une ou deux. Qui... Alors, les amis, vous avez trouvé comment le parcours ? Ça a commencé, il a plus de batterie en plus. Non, c'est bon, j'ai tout rechargé là, c'est bon. Alors, Joy, t'en as pensé de... Écoute, sur les conseils de Coucoui, c'était pas mal. Pardon. Je vais arrêter de les filmer, hein, on va faire comme ça. On espère que vous avez kiffé. Joy, en tout cas, elle a l'air d'avoir bien kiffé. Merci beaucoup, Laurent. Avec plaisir. Merci au Kempferhof aussi pour l'accueil et pour proposer tout ça ici. On va essayer de faire une troisième vidéo, ou même plus après, mais avec Léo, pour essayer de, voilà, tout ce qui est petits jeux, putting et tout ça. Parce que Laurent, bon. Ouais, putting. Bon. C'est pas, voilà, quoi, c'est pas foufou. Bref, on espère que vous avez kiffé. Petit bouton bleu, petit bouton s'abonner, la cloche. Surtout, si ça peut permettre à votre copine ou à votre copain de commencer le golf, montrez-lui cette vidéo et la vidéo d'avant. Le but, c'est de mettre un maximum de personnes au golf, montrer que ce sport est cool et voilà. Voilà, c'est ça. Allez, ciao tout le monde.